Chers amis, il y a 11 ans, j'ai créé Altrimenti, un centre culturel indépendant. Un lieu pour permettre à tout le monde de penser et rêver d'une façon différente. Un lieu autrement. Ce lieu vit et prospère grâce à vous, car c'est avec vous qu'on a pu créer des moments mémorables. Mais pourquoi Altrimenti? Pourquoi un centre culturel? Pourquoi la culture? Eh bien, je suis convaincu que la culture est le seul moyen qui nous permet de revenir à une dimension plus humaine. Je suis aussi convaincu que la culture est le seul moyen qui nous permet de sortir de cette époque sombre, époque d'individualisme et intolérance. Une époque qui, pour beaucoup d'entre nous, est devenue insupportable. J'ai créé ce lieu avec amour, passion et respect pour les autres, car il n'y a rien de plus beau et de plus gratifiant que de travailler pour un monde meilleur. J'ai créé ce lieu pour rêver, pour qu'un film puisse vous toucher, pour qu'une musique puisse vous émouvoir encore, pour que votre soif de savoir puisse être comblée. Maintenant, Altrimenti a besoin de vous. Maintenant, je vous demande de soutenir Altrimenti. Maintenant, je vous demande de faire un don Altrimenti. Il y a quelque temps, j'ai découvert des mots de Jacques Brel, des mots qui expriment d'une façon magnifique ma pensée et je pense la pensée de beaucoup d'entre vous. J'espère que ces mots un jour puissent devenir réalité. Merci. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants, je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.